J'habite ici depuis 12 ans, en France. Pendant 20 ans, j'ai fait des allers-retours pendant les tournées et tout ça. Mais finalement, je me suis installé en France depuis 12 ans parce que je pense que la France garde une lumière en elle qui vient de l'époque de la Révolution française et avant. Et je pense que cette lumière, la France ne l'a pas perdue. Vous croyez que vous ne l'avez pas, vous croyez que vous l'avez perdue, vous croyez qu'elle est éteinte. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi, nous, en Amérique latine, on voit encore ça dans la nation française. Et pourquoi j'aime la France pour ça, pour cette lumière. Mon vrai but serait que la salsa, dans l'esprit des Français, ne soit pas une destination de mojitos, des filles en bikini et des palmiers. Que vraiment, il y a des choses belles dans notre musique. Et que ces choses qui sont dans cette musique, vous pouvez les prendre comme des outils pour vous défendre. Aussi de la tristesse ou des moments, des coups de blues. Que cette musique à l'intérieur de l'enforce, que si elle est de l'Afrique, si elle est de l'Amérique latine, à Cuba ou Colombie, à être un peu plus joyeux à un moment donné quand on a un coup de blues.